Axel, Anna, allez, Axel. Si tu veux me parler, tu peux me parler comme ça maintenant, si tu veux. Bien dansé, hein. J'étais ça allait. C'est une inconditionnelle de Louis, pourquoi pas de moi? Quand je vous ai vu tout à l'heure, je me dis, mais je connais ce monsieur. Et puis, je me suis dit, ah. Voilà. C'est Salomon. Mais bien sûr. Forcément. Axel, merci d'être avec nous. Alors, il y a une vraie raison. Je disais que tu étais inconditionnel de Louis de Funès. C'est vrai, tu vas nous raconter pourquoi. C'est-à-dire qu'en Flandre, je veux dire, on regarde très peu les films en français. Et il se faisait que mes parents étaient des inconditionnels de Louis de Funès. Et donc chaque fois, on n'avait pas encore la vidéo, on était chaque fois que Louis de Funès venait passer, on était tous... Et j'ai appris le français grâce à vous, à Louis de Funès, à tous ces... J'aurais au moins servi à quelque chose. Est-ce que tu as un film culte de Funès? Tu en connais beaucoup. Quel est ton préféré, tu vois? Mais là, on parle de Rabbi Jacob. Je veux dire, je le connais par cœur. Je trouve ça, c'est un chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut vraiment se dire que quand je revois ces films aujourd'hui, je me rends compte que quand j'étais enfant, je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il disait. Donc en fait c'était aussi les mimiques, c'est un clown. C'était des clowns qui faisaient rire, le mime de Funès, sa force. Ah oui. Hein, mais aussi Jacob, bien, aussi bien vos mimiques à vous. Hein, déjà. Alors, merci Axel, tu vas t'installer, on va te retrouver dans un petit moment. J'aimerais qu'on applaudisse Jérôme Anthony, qui a fait des perfs toute la soirée. Merci à vous, merci au groupe Adama. Et je vous rappelle évidemment qu'il y a le DVD d'Adama, de la troupe, hein, ça s'appelle De Rabbi Jacob à nos jours, et le DVD est en public dans quelques temps. Quant à Henri Guibet, eh bien sachez qu'il est en tournée en ce moment sur une pièce de Guitry qui s'appelle La Poison. Et alors à propos de La Poison, qui a joué dans La Poison, le film? Eh bien alors La Poison c'est Michel Simon, mais déjà De Funès c'était dans le film. Il avait un petit rôle où il allait chez le pharmacien parce qu'il avait des mal au ventre. Voilà. Mes enfants, musique avec Axel Red et un medley de tous ces tubes. Un maximum de bruit pour Axel Red. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Parce que c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi, le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Laisse-moi rester fort. Laisse-moi rester fort. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer. Pour que tu m'aimes.
Quand rien ne va, je pense à toi. Tu es mon soleil, plus jamais froid. Le monde est gris, il ne sourit pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Ce matin, chaque chose me pèse. Le moindre détail devient casse-pied. Je passe encore à côté d'une belle journée. Alors je pense à toi. Quand rien ne va, je pense à toi. Tu es mon soleil, plus jamais froid. Le monde est gris, il ne sourit pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Je pense à toi. You make my day. Every day. Didum didum didum. Didum didum. Je pense à toi. Merci. Merci beaucoup. Axel Red. Extrait du double CD. Déjà double disque d'or, il est sorti il y a quelques semaines. Merci au public de l'avoir acheté. Et deux doubles DVD également. Il y a un DVD de tous les clips d'Axel, dont deux, trois réalisés par toi. Et l'autre DVD, c'est Axel au Bataclan. C'est le live, là vous êtes carrément en concert avec elle. Mille merci à toi, Miss Axel, d'avoir été avec nous. Merci à tes musiciens. C'est un grand plaisir. Alors, il nous reste plus que... les trois premiers films.